good old rebel, now that's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. I ain't asked any pardon for anything I've done. I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the Declaration of Independence too. I hate the glorious Union, 'tis dripping with our blood. I hate the striped banner, I fit it all I could. I rode with Robert E. Lee for 3 years thereabout. Got wounded in 4 places and I starved at Point Lookout. I caught the rheumatism a-camping in the snow. But I killed a chance of Yankees and I'd like to kill some more. 300,000 Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. I wish they were 3 million instead of what we got. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't gonna love 'em, now that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I do not give a damn. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. For this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. And I ain't asked any pardon for anything I've done. I ain't asked any pardon for anything I've done. Company, forward! Right center! Oh, wait a What you just heard, that was the Rebel Yell. Yes, sir. Vous avez entendu le cri de guerre des rebelles. Ouais, ouais. J'ai vu Captain, il est en rebelle, là. Ouais, ouais, voilà, oui, là. Je suis un sale sudiste, moi, je suis un sale sudiste, là. Bon, oui, j'étais un sale sudiste dans ma vie antérieure, avant d'être sur Jupiter. Tout ça, je sais de quoi je cause, hein. Et puis, voilà ce qu'on avait là. C.S. Confederate State of America. Yes, sir. C'était quoi? C'était un pays, ça? Ouais, c'était un pays. C'était un pays entier. La moitié du sud des États-Unis, c'était un pays. Avec un congrès, un président, des armées, tout, tout, tout. Hein? Et ce pays-là, il avait fait un accord avec les Amérindiens. Pour, si il gagnait la guerre de sécession qui n'a pas cessé, c'est sûr, pour donner aux Indiens tout un grand territoire vers l'ouest, hein, à l'ouest du Mississippi, qui se serait appelé la Confédération indienne, ou la Confédération des Indiens d'Amérique. Confédération des Indiens d'Amérique. C.I. Et puis voilà, et puis il y aurait eu l'Union nordiste, l'Union des États du Nord, là, whatever. Et bien ça aurait fait 3 pays différents. Et l'histoire n'aurait pas été pareille, parce que l'Amérique ne serait pas devenue un empire qui fait le génocide des Indiens, et puis qui aurait conquis la planète, qui aurait fait des guerres partout, enfin un truc horrible quoi. L'histoire aurait été complètement différente. Non, j'ai pas de drapeau, vu même pas en ce moment. Drapeau sudiste, hein. Non, je l'ai pas. Oui, je vous raconterai un jour ce que c'est exactement, parce qu'évidemment, ce que vous savez, ce que vous avez appris à l'école, c'est tout faux. Hein.
L'histoire est une fable, comme disait Napo. Oui, Napo, Napo. Alors, je vous expliquerai ça. Hein. Mais ça, c'est bon, c'est de sudiste, ça. C'est quoi, c'est? C'est une question de captain, c'est de l'armée confédérée, là. Voilà. Voilà. Mais je suis rentré en rebelle, moi, depuis que je suis sur la Terre. Puis j'étais dans une vie antérieure sur la Terre. Alors, que vous voulez? Et puis, à l'époque des Qatars, toujours rebelle, rebelle tout le temps. Alors, il faut des rebelles aujourd'hui? Oui, oui. Ah, vous avez vu, hein, quoi, ce qu'il va falloir comme rebelle. Ouh là 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 là. Momentos. Yeah, I am a good rebel and that's just what I am. Mais Captain, pourquoi un rapport d'un rebelle sudiste? Qu'est-ce que c'est quoi son histoire? Je vous ai dit que je fais une vidéo spéciale. Mais une petite note quand même. Petite note quand même. Puisque j'ai parlé dans une vidéo, dans un numéro, je ne sais pas combien. Hein, j'ai parlé des lignes de temps et de Albilec et même des tours, je crois, enfin manipulation du temps et tout. Alors, donc j'ai connu dans les conventions indiennes, Standing Elk, j'ai connu Albilec, qui était là, collègue conférencier. Et il nous a fait des petites séances et des petites réunions, des choses où il pouvait raconter pas mal de trucs. Albilec est un survivant du Philadelphia Experiment, dont j'ai parlé dans une vidéo récente, regardez les infos et regardez les deux films. Donc Albilec nous a dit beaucoup de choses sur les tours à micro-ondes, sur toute la technologie, parce que c'était quand même un ingénieur qui s'occupait des machines du USS Aldrich, qui avait créé donc un champ électromagnétique pour soi-disant rendre invisible le vaisseau, et ensuite lui et son frère ont voyagé dans le temps, et ensuite son frère a été impliqué dans le Montauk Experiment. On est parti là-dessus, tiens. Ouais, ouais, j'en ai déjà parlé du Montauk. Cherchez aussi Montauk Experiment, c'est une base de l'armée américaine dans l'est des États-Unis. Montauk avec les voyages dans le temps, etc. Et donc, Albilec, qui était un des deux Cameron, hein, il a été obligé de changer de nom, bien évidemment, a raconté que dans toutes les manipulations sur la ligne de temps qui se passaient à Montauk, il y en a beaucoup, et ensuite la base a été soi-disant fermée, mais c'est sans doute transporté sur la planète Mars, dans les bases du SSP, Special Space Secret Program, ou whatever. Ça doit se passer là-haut maintenant, les manipulations des lignes de temps. C'est pour ça que vous avez un sudiste qui vous fait un petit rappel sur ces choses-là. Donc, Albilec nous a dit, on a eu aussi des informations, parce qu'il y avait pas mal de monde, hein, d'équipes spéciales qui étaient impliquées dans les voyages dans le temps, pour trafiquer la ligne de temps. Il y a un truc bizarre qui est dans le ciel, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Donc il a eu des informations que dans les manipulations du temps qui étaient faites par l'armée américaine des US, puisqu'on les appelle US, hein, oui, un jour vous aurez aussi US versus USA, vous aurez ça, oui. Albilec nous a dit, il y a eu une manipulation où, depuis Montauk, on a envoyé des agents. Des agents des US, qui est là, les agents Yankee, hein, c'est le Nord qui a gagné, qui a pris le contrôle de tout ce qui est appelé aujourd'hui États-Unis, et ensuite beaucoup d'autres pays, comme vous savez. Donc ils ont envoyé des agents dans le passé pour infiltrer le haut commandement de certaines armées confédérées. Confédérées. Confederate States of America, CS. S'ils n'ont pas très bien réussi dans l'Est, parce qu'il y avait quelqu'un top niveau qui s'appelait General Lee,
Bah, lisez l'histoire de Général Lee, vous allez voir qui c'était, ça. Il gagnait tout le temps les batailles, sauf s'il faisait une ou deux erreurs. Bon, il en a fait. Bon, il y a eu des problèmes. Dans l'Ouest, ils ont réussi. Donc, ces agents des USA, qui sont revenus dans le temps, infiltrer les généraux et les headquarters des armées confédérées de l'Ouest. Hein, en particulier l'armée du Tennessee. C'était son nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a eu que des problèmes dans le haut commandement de cette armée du Tennessee. Et ils ont perdu toutes les batailles, basiquement. C'était la catastrophe complète. Et ils ont perdu tout l'ouest de la Confédération, c'est-à-dire tout ce qui se trouvait entre les Appalaches et le Mississippi, même plus loin. Ils ont tout perdu. Ce qui a permis aux armées du Nord, en particulier le fameux Sherman, qui a ensuite laminé la Caroline du Sud, laminé complet, tout détruit, hein. Les fermes, tout, les gens n'avaient plus rien à manger, horreur complète, brûlé tout. Du fait que le Sud, la Confédération, a perdu la guerre dans l'Ouest, eh ben c'était fini, quoi. Ils ont perdu tout. Donc, les agents qui travaillaient dans le passé pour détruire la cohésion et tout ce qui se passait dans les armées de la Confédération de l'Ouest, comme on les appelait, eh bien, ils ont réussi leur coup. Ils ont fait une manipulation du temps qui a fait que, comme ça, il n'y avait pas de problème. Eh bien, le Sud avait bel et bien perdu la guerre, aucun problème. C'est très curieux, les lignes de temps. Je sais que c'est très curieux parce que ils peuvent décider de faire ça à un moment donné où ils savent déjà l'histoire qui est fausse. Napo, ça n'existe pas. Le temps et l'espace n'existent pas. Donc vous pouvez manipuler le temps, le passé comme vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le futur, c'est une autre musique. Mais le passé, oui. Donc ils sont très forts là-dedans. Voilà, c'était un petit élément que je voulais donner là-dessus. Puisque vous avez un message de la sudiste, là. On va continuer, alors. Allez, on continue avec le Rebel Yell. Non, je ne peux pas vous le faire, puisque pour que le son fonctionne, il faut que ce soit des centaines d'hommes, un régiment entier ou plusieurs régiments, comme je vous ai mis au début dans l'intro. Au fait, dans les armées confédérées, il y avait des soldats noirs qui se battaient pour le Sud, et il y avait aussi des femmes qui s'enroulaient en se faisant passer pour des jeunes hommes, hein, et qui se cachaient, etc. Il y a des histoires extraordinaires, il y en a eu aussi dans le Nord, mais il y a eu des histoires extraordinaires dans des armées du Sud, la Confédération, où parfois un soldat confédéré donnait dans une tente naissance à un bébé, quoi. C'est arrivé plusieurs fois. Et sur les champs de bataille, quand ils venaient ramasser les morts, hein, ils trouvaient des soldats qui étaient des femmes, quoi. Voilà. Quand ils enlevaient, récupéraient les vêtements ou je sais pas autre chose, ils se rendaient compte, mais si c'est une femme qui a été tuée là, dans la bataille. C'est une petite note comme ça. Alors, rebelles. Ben oui, moi il me semble que là, on est mal barré, hein. Là, il faudrait arriver au même niveau que les rebelles. Alors, petite note, hein, je ne vais pas parler beaucoup de ce qui se passe en France, parce que d'abord, vaut mieux pas. C'est risqué, hein. Ça va être de plus en plus risqué, ça va être de plus en plus contrôlé, évidemment, hein. Donc, je vous donne une petite note là, puisque j'ai vécu 12 ans dans le sud des États-Unis, chez les sudistes, en Caroline du Nord, et dans l'Arkansas, Arkansas. Et aussi, j'ai été souvent dans des poireaux indiens dans l'Alabama. Enfin, j'ai circulé pas mal dans le sud des États-Unis. J'ai été conférencier à Miami, là, chez les Indiens, avec Standing Elk. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et tous les sudistes avec qui j'ai parlé donc pendant ces 12 ans, souvent, je posais la question. Les gars, les gens, parce qu'il y a des hommes et des femmes.
qu'est-ce que vous allez faire si tout d'un coup votre gouvernement déclare la loi martiale? La réponse était à 100% toujours la même. Eh bien, on recommence, on fait sécession et on refabrique nos armées, étant donné que les Américains sont armés jusqu'aux dents. Voilà. Moi, j'ai un copain qui est conférencier sur la planète X dans la Caroline. Et il m'a montré, planqué dans la forêt, hein, il habite dans la forêt, des belles baraques, et il m'a montré une sorte de grenier avec facilement une douzaine d'armes de guerre. Là. Ils sont armés jusqu'aux dents. Donc aux États-Unis, quand ils vont déclarer la loi martiale pour X raisons, eh bien ça va recommencer. Hein. Les rebelles vont retourner sur les champs de bataille. Voilà. C'est pour donner un peu le parallèle avec la loi martiale qui vient d'être déclarée en France, parce que vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, l'urgence sanitaire de je ne sais pas quoi, mais c'est une loi martiale, basiquement. Hein. Quand tous les déplacements sont contrôlés, que vous ne pouvez plus parler les uns aux autres, que les groupes supérieurs à 5 personnes sont interdits, c'est la loi martiale, ça, ni plus ni moins. Oui, mais j'ai eu une quarantaine, il y a eu 15 jours. Oui, c'est bien, on va recoser. Vous avez sûrement vu, j'ai dit que j'en parlais pas beaucoup, mais regardez toutes les vidéos qui circulent. Hein. Vous avez certainement vu des vidéos à Paris, dans une rue, il y a une espèce de marché, où vous voyez la police qui est comme des chiens dans un troupeau, quoi, hein, et qui dit aux gens, non, vous êtes trop près, non. Vous n'avez pas le droit d'aller là. Non, vous êtes trompé. Non, vous n'allez pas là. Vous restez pas devant les produits du magasin. Là, vous allez là. Non, vous êtes trop près. Vous devez avoir une distance entre vous là. Et vous, ils font que ça. La police dans les rues à Paris, ils se baladent partout et ils font ça. On se demande dans quelle société on est, si on n'est pas dans un film de science-fiction. Eh bien, on y est, carrément. Le premier jour de la loi martiale sanitaire, on va l'appeler comme ça. Ah tiens, c'est bien ça. Loi martiale sanitaire. Ouais, c'est ça. Eh bien, il y a eu 5000 amendes en un jour en France de gens qui n'avaient pas le papier de circulation, le pass, c'est un pass pour circuler. En fait, ça s'appelle un Ausweis. Ausweis. Hein? Ausweis. Mais pourquoi parler d'Ausweis? Il faut l'appeler par son nom. C'est un Ausweis. C'est un pass qui est demandé en temps de dictature. C'est tout. Moi, je le sais, puisque ma maman étant une super sténo dactylo, elle m'avait appris le dactylo d'ailleurs, avait été obligée de travailler à la commandanture à Nancy. Parce que ils enrôlaient les gens, elle était obligée. Hein. Mais du coup, ça lui permettait d'avoir les tickets de rationnement. Oh, ils sont pas arrivés, ça, encore. Vous avez des tickets, on n'a pas les tickets hein? Ah bah oui, il y avait les tickets de rationnement. Vous avez un ticket, c'est marqué, vous avez le droit d'acheter 150 grammes de beurre, 100 grammes de viande de poisson, une baguette, 150 grammes de fromage, enfin c'était des tickets. Et puis ils donnaient les tickets quand ils étaient dans un magasin. Vous savez, ils pouvaient acheter ça, mais ils ne pouvaient pas acheter autre chose. Oh. Non mais oui, ça existait ça. Pourquoi ça n'existerait pas de nouveau? Pourquoi pas? Avec l'autre là qui a une casquette qui est 3 fois plus grande que sa tête. Regardez toutes les déclarations qu'il fait, c'est de la folie douce là. Réincarnation, d'un mec en Allemagne. Ben, pourquoi pas? Il y en a bien un autre qui est réincarnation du préfet de police de Caligula. Pourquoi pas? Hein, vous avez vu déjà, ce dont j'ai parlé avec Alberi, Dorothy Dandridge et tous les 4 incarnations. Bon, et pourquoi pas? Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a une vidéo, vous voyez le périph' à Paris qui est complètement bloqué, toujours dans le premier jour de la loi martiale sanitaire, bloqué, toutes les bagnoles sont bloquées et la police contrôle tout. C'est-à-dire, c'est là qu'ils ont foutu des centaines d'amendes. Le papier est là, Ausweis, qui est là. Hein, amende. Et puis vous voyez aussi courir les flics comme des fous là. Le gars qui a fait la vidéo, il dit bah, regardez les keufs comment ils courent. Je n'ai pas compris dans quel sens
comment ça s'écrivait, keuf dans l'autre sens, c'est du verlan. Anyway, alors vous voyez les flics qui courent partout, et vous voyez une bande de flics qui arrêtent deux voitures qui descendaient sur le périph', et qui réquisitionnent les voitures. Ils ouvrent les portes et rentrent dedans. C'est des civils, hein, c'est des citoyens. Hein. Ils rentrent dedans. Voilà, on réquisitionne la voiture, et vous allez nous emmener à tel endroit, on a besoin d'aller au commissariat du 11e, 12e, je sais pas quoi. Réquisitionne les voitures. Non, mais c'est des folies douces. Oui, bah c'était comme ça. C'était comme ça pendant l'occupation. Hein. Il y avait donc le fameux Ausweis que ma maman sortait avec les tickets de rationnement. Mon grand-père a distribué les tickets de rationnement en vélo aux familles en nécessiteuses, à la brousse. Et puis ma maman sortait aussi les Ausweis, hein, les droits de passage, de circulation, pour aller les passer aux résistants, avec l'aide de mon oncle qui était inspecteur de police. Voilà, c'est les Ausweis. On va pas faire la plaisanterie parce qu'ils vont pas aimer. Hein, si quelqu'un un jour nous demande, parce que moi ça ne va pas m'empêcher de sortir. Hein, si quelqu'un un jour me demande, c'est station de circulation, ben. Eh ben moi je répondrai en allemand. Ja. Ausweis, bitte. Ja. Dans 20 secondes. Ah. Je veux gerne dir Ausweis zu haben. Ja. Das habe ich. Das ist mein Ausweis. Ja. Siehst du? Ausweis. Je ferai ça une fois. Oui, je le ferai. Si le gendarme il a une tronche qui me revient pas, je le ferai. Hein? S'il comprend pas l'allemand, tant mieux. Voilà, c'est tout. C'est exactement ce que c'est des Ausweis. Exactement ça. Bon, on va essayer de parler d'autre chose là pour donner des trucs positifs. Bon, on va continuer la vidéo du capitaine sudiste. Hein. On va faire un truc un peu en humour caustique là. Oui, parce qu'il faut faire quand même. Comme si on était l'élite. L'élite qui pense qu'ils sont supérieurs aux autres humains. Supérieurs aux humains parce qu'ils ne doivent pas être humains. Et qui nous considèrent comme du bétail, quoi. Hein, comme des nés de bœufs. C'est pas une bonne expression, mais c'est gentil les bœufs, hein, les taureaux et tout, vaches, c'est très gentil. Alors, mais grande merveille, messire. Mais c'est miraculeux, messire. Le truc de le microbe de la bière, là, je sais pas quoi, là, que nous a envoyé gracieusement les Chinois, avec notre aide un petit peu quand même. C'est formidable. Oh, ah ben alors là, maintenant. Mouvements sociaux, mouvements de liberté, tous les gens rebelles, dissidents, tout ça, capote, hein. Fini, terminé. Hein. Ah ben oui, c'est formidable ce truc. Mais c'est plus magique que tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est du tonnerre de... Mais bravo. Ah, celui qui a inventé ça, là, clap, 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 clap. Ça avait été annoncé. Ouais. Oui, par, je ne sais plus, Kissinger, Rockefeller. J'ai essayé de retrouver une photo avec la citation. Ouais, merveilleux ce truc. C'est du tonnerre de Brest, là. Alors là, hein, avec... et puis, alors, on a une excuse qu'on appelle, je crois, je sais pas si c'est pas dans les assurances, ou depuis longtemps, les faits de Dieu. Ouais, c'est un fait de Dieu. Ah ben oui, parce que c'est un truc qui nous arrive dessus, boum, comme une tempête, comme un cyclone... comme une tornade en Amérique, des inondations. On appelle ça l'effet de Dieu. C'est plus fait de Dieu parce que maintenant on y est quasiment, c'est tout fabriqué, le climat, artificiellement. Enfin bon, passons. Non mais c'est bien, on peut dire que c'est un fait de Dieu. Ah ben, c'est pas notre faute. Ah, mais c'est un méchant microbe qui est arrivé partout. Là. C'est un fait de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a envoyé ça, comme la peste noire. Quoi. Voilà, c'est tout quoi. C'est absolument génial. C'est top niveau, ce truc. Alors là, les gars, là, des fois, on a des doutes sur le taux, le chiffre de votre quotient intellectuel. Mais là, quelques-uns par là, on a un bon. On a un bon. Et ils ont peut-être pas tort de considérer que ceux qui sont en dessous, qui avalent tout ça, comme des pots de Nutella, je sais pas quoi, tiens, je sais plus, il y a des gens qui sont battus, il y a eu même un blessé pour un des rouleaux de papier, je sais pas quoi. Bon, anyway.
C'est formidable, quoi. Voilà. C'est le top niveau. On ne pouvait pas rêver mieux que ce truc-là. Ça, c'est tonnerre. Alors, les gens, oui. En plus, ils considèrent que en dessous, là, donc, le troupeau a un QI très bas. Ils l'ont déclaré officiellement. Hein. Plusieurs politicards ont dit que si on faisait des tests de QI juste avant les manifestations, on aurait des résultats microbiens, c'est le cas de le dire. C'est pas une mauvaise plaisanterie, capitaine. C'est pas une bonne plaisanterie. Oui, je m'en fous. C'en est une quand même. Ben oui, mais si vous cherchez les statistiques, je vous l'ai déjà dit, cherchez les statistiques des moyennes de QI par pays dans le monde. Ah ben la France est du 25e place, je sais pas quoi, avec un QI de 85. Alors que Hong Kong, c'était du 110, hein, les petites de Hong Kong. Même plus d'ailleurs. Alors 85, attendez, c'est une moyenne ça. Ouais. Non mais attendez, mais déjà au départ 85, c'est le QI de l'idiot du village. Enfin, dans le temps, on avait des idiots de village, ils ont disparu. Ils doivent être dans les asiles psychiatriques, on les a enlevés des villages, probablement. Dans chaque village, il y en avait un dans le temps. Rappelle-moi, quand j'allais en bus à l'école, on passait dans des villages, on nous montrait l'idiot du village. Voilà. Bon. 85 idiots du village. Moyenne du QI des Français. Oui, mais attendez, moment de passer une moyenne. Ça veut dire qu'il y a au-dessus, puis qu'il y a en dessous. Comme au-dessus, il y a beaucoup quand même de gens qui sont dans les universités, dans la recherche, les médecins, les professions libérales, les avocats. On parle pas des grandes écoles, hein, parce que là, ça qualifie pas pour le QI, à mon avis. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un QI bien au-dessus de 85. Et mais alors, pour arriver à moyenne de 85, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous de 85. Mais c'est un QI encore plus bas que celui dont on accuse les animaux, qui sont super intelligents et sensitifs. Ah bah oui, alors évidemment, on comprend que l'élite, ouais, clap clap. Oui, c'est vrai, avec des QI comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils vont tout avaler. Ouais, c'est vrai, d'accord. Attendez, on va donner une bonne conclusion quand même. Allez, une conclusion du capitaine sudiste, là. Voilà, le salut confédéré, il était lent, comme ça. Rien à voir avec le salut Yankee. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? On peut dire que ce qui était magique, c'était le 14 mars, où les Gilets jaunes, parce qu'il n'y avait qu'eux, toutes les autres manifs avaient été annulées, pas les syndicats, le climat, tout ce que vous voulez, il y avait que les Gilets jaunes qui avaient maintenu leur manif. Donc il y avait qu'eux. Ils étaient des milliers, bien que des figures de mouvement aient dit de ne pas y aller. C'est pour ça que je ne veux plus le regarder, je crois, parce que là, ils se sont plantés, à mon avis. C'était magique. Ils ont démontré qu'il n'était pas question d'avaler tous les enfumages, y compris celui de ce fameux virus de la bière. Voilà. Et en plus, ils ont fait une masse critique de changement de paradigme à un niveau de fréquence et d'énergie qui répond totalement aux énergies de la ceinture de photons. Oui, regardez la première vidéo que j'ai faite, il faut continuer, qui est l'énergie manassique christique. D'accord? Oui? Hey, t'es dans le nuage pour dire ça? Tu parles de quoi là? Tu sais pas que ton New Age, c'est luciférien, franc-maçon? Tu sais pas ça? Tu sais pas ça, espèce de nouille? New Age, c'est pour ça que vous avez appelé les New Age, et je continuerai. Non, il y a une histoire d'ADN. Julian Assange l'a dit à une juge en Angleterre. Mais monsieur, pourquoi vous faites tout ce que vous avez fait là? Je peux rien, madame le juge, c'est dans mon ADN. C'est pareil. Les Gilets jaunes, ils ont un ADN spécial. Les résistants ont un ADN spécial. Les volontaires qui viennent d'ailleurs, qui sont venus s'incarner sur la Terre, ont un ADN spécial qui les immunise, contre le contrôle mental que subissent tous ceux qui ont
Le QI aura des pâquerettes, je n'irai même pas le voir tellement qu'il est enfoncé dans la terre. Donc ils ont démontré là, ils ont fait la masse critique du 101e singe. C'est pas grave, c'est dans l'énergie. Tout ce que vous faites dans l'énergie est écrit. Ça ne peut pas être détruit. Au contraire, ça se construit sur quelque chose. Ça sert de base à quelque chose qui va se manifester dans la réalité. Alors que tout ce qui est faux, mensonge, ténèbres, etc., s'écroulent et se dissoutent tout seuls. Ou disparaît, retour dans leur infra-dimension, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la bonne nouvelle que je vais essayer de développer plus tard. Et également, ça fait partie de la séparation du grain de la balle, du bon grain de livret, qui est mentionné par Virgil Armstrong dans la première intro sur la photon belt, sur la ceinture de photons. Parce que la ceinture de photons va créer la séparation du grain de la balle. Et c'est exactement ce qui se fait en ce moment. Alors, ce que font ceux qui sont du côté de la balle, c'est le cas de le dire. Oh ben alors là, ils sont du côté de la balle. Non mais c'est les balles, oui, mais ils sont du côté de la balle. Ah bon, mais les militaires vont arriver, oui, on verra bien, on s'en fout. La balle, elle est séparée. Voilà, il ne reste plus que le grain pour faire le pain après. La balle n'existe plus. Elle est mangée par les animaux ou elle sert dans les écuries. Voilà, c'est tout. C'est tout. Elle va se dissoudre, cette balle. Elle va disparaître. Voilà ce qui va se passer. Hein, et ça, c'est la conclusion positive que je voulais donner là maintenant. Là, ici. Voilà, on va arrêter là, la vidéo. On en fera d'autres et il faut que je fasse la suite des autres vidéos que j'ai faites. Aujourd'hui, elle est sortie comme ça, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'étais dans la peau du sudiste, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé comme ça. J'ai des guidances, des trucs qui... Tiens, aujourd'hui, on fait ça. Voilà. Pouf. Et je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter d'aller faire des vidéos dans la nature. Hein. Pas question qu'ils vont m'enfermer chez moi. Non mais oh, on est dans quelle société là? Oui, on est libre. Ce que vous pouvez faire, et ça on me l'a dit en Amérique de nombreuses fois, dès que je suis allé au début, quand je vous ai dit qu'il y avait des gens de chez nous qui étaient dans tous les groupes spirituels, c'était pas nuage du tout, c'était bien autre chose. Et plusieurs fois, ils nous disaient, ce qu'il faut faire, c'est dire quand quelque chose qui va pas du tout, this is not my reality. Ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma réalité, ça. Ce n'est pas ma réalité. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, même dans la rue, si vous voyez les autres cornichons qui sont complètement cerveau lavé, dans la peur, la parano, vous dites, c'est pas ma réalité, ça. Même si vous êtes valet dans un magasin, c'est pas ma réalité, ça. Alors je parlerai des quelques jours avant la loi martiale sanitaire, où dans les magasins, justement, ou ailleurs, n'importe où, rencontrer des gens dehors, et bien les gens qui ont la même fréquence sont attirés, et vous voyez les gens qui sont brillants, qu'est-ce qui brille ? Et puis ils se mettent à vous parler, et ils disent la même chose que vous, que nous. Ce qu'on dit là, ils le disent tout seuls. Et puis les autres, qui sont autour, quand ils entendent discuter, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça vous arrive à vous aussi, ils sont là, à regarder comme des veaux. Encore une fois, c'est gentil, un veau, faut pas dire ça. Ils regardent comme des zombies, voilà, c'est des zombies. Des zombies. Donc vous avez les zombies et les gens qui brillent où il y a quelque chose, il y a une fréquence. Alors, faut se réunir avec ceux-là. Et puis le reste, c'est choisi. C'est comme ça. Ils ont voté, voilà. Ils ont été au bureau de vote pour voter. Eh ben, très bien. Allez, c'est good. Allez, j'arrête là. Captain Sudist out. Pas de rebelle yell. Mais on reste des rebelles. Et ouais, on reste des rebelles tous et on lâchera rien. Et on, comme dit Mika et les autres, on ne pardonne pas. On n'oublie pas, comme disent les Anonymous, on ne pardonne pas, on n'oublie pas. Même dans notre nouveau monde, on n'oubliera pas tout ce que vous avez fait là, les soi-disant élites. Allez, salut. Les sudistes vont aller crier le rebelliel dans la brousse. Get out. A rebel soldier, and far from my home.